Je vais vous parler de Sois sage maintenant de Anna Selama, un petit livre paru à la cinquième couche en 2012 et en 2008 dans l'édition originale finlandaise. Anna Selama est une artiste qui travaille à Helsinki en Finlande, qui enseigne, qui expose en tant qu'artiste et qui fait de l'illustration, des livres illustrés. Elle ne se cantonne pas donc à la bande dessinée. Je pourrais dire que ce petit livre fait partie d'une famille chère aux éditeurs de la cinquième couche. Une famille où on trouve de très beaux titres comme De la fenêtre le trompe-l'œil de Benoît Guillaume, La volupté d'Ectopascal de Nicolas Zouliamis, Hobby de Sophie Tellem. J'y rajouterai L'odeur de la couleur du lièvre de Dominique Vandenberg. Et peut-être le livre de l'artiste Rebecca Bowman, Lemon Ink. Cette famille de livres a en commun de mettre en valeur le dessin avec toutes ses errances et ses maladresses, son état d'esquisse, mais aussi ses aspects un peu sales, un peu baveux. Des dessins parfois hésitants qui peuvent aller jusqu'au gribouillage, à la tache. Ce petit livre est une surprise d'abord par la disparité entre les styles. À chaque histoire, son style bien particulier. Dans le récit inaugural Mamie, on a un ancrage sauvage qui est tout de suite beaucoup plus maîtrisé dans Sœur et qui va évoluer comme ça au fil des micro-scènes familiales. Cet ancrage maîtrisé de Sœur met en dialogue la franche parole et le geste juste. Et je m'arrêterai particulièrement sur Maman, qui est très marquée par un style alliant les vides et les pleins du dessin, l'ornementation, les interventions ponctuelles et très circonscrites de la couleur. On a donc une opposition noir et blanc couleur, plein et vide. Ce qui va être marquant dans ce récit, c'est surtout ces deux doubles pages magnifiques où les enfants font la sieste dans cette maison un peu étrangère qui est la maison de leur grand-mère. L'auteur a choisi le quadrillage de crayons de couleur pour rendre l'atmosphère de cette chambre dans la pénombre de l'été. Et nous nous trouvons tout de suite dans l'émotion de l'enfance, les émotions vives créées par les sensations irisées de la lumière d'été masquée par un rideau. Nous sommes là vraiment dans un moment de grâce qui nous ramène à nos propres sensations de l'enfance, à nos propres souvenirs de ces situations un peu étranges. À la fin de la deuxième double page, le surgissement de ces couleurs de l'été qui entrent par la fenêtre et changent l'atmosphère. Pour ce qui est des deux dernières histoires, Maman et Papa, les histoires commencent par des enfants qui sont en train de jouer ou en train de colorier. On est vraiment dans la redite de l'enfantin, car l'auteur a employé des techniques qui ressortissent vraiment du monde de l'enfance, notamment le coloriage. On a ici littéralement des cases qui vont être coloriées au feutre, avec des couleurs typiquement des feutres enfantins, des couleurs criardes, vives. Les feutres se mélangent, sont maladroits, hésitants, ne remplissent pas bien les formes. On dirait vraiment qu'un enfant est venu par-dessus le dessin de l'auteur avec ses feutres habiller les cases. Nous avons par exemple des motifs, les rayures ou les points qui sont vraiment des motifs typiquement enfantins. Également ces perspectives aplaties en carrelage et quadrillage. Dans toutes ces micro-scènes, ces micro-histoires, ces petits souvenirs, nous avons une très belle peinture des relations entre les membres de la famille, sans jugement, avec une focalisation sur la vivacité des sentiments enfantins et notamment des sensations enfantines qui nous ramènent à nos propres souvenirs. Sois sage maintenant offre donc une double expérience du souvenir enfantin, à la fois par la narration et par la sensation.